Le grand gagnant des 12 coups de midi a une idée bien précise pour sa reconversion. Christian Quesada détient le record du nombre de participations dans l'émission phare de TF1, 193. En tout, il a empoché un peu plus de 809 000 euros. Mais 6 mois après son élimination, le candidat heureux n'en a pas terminé avec la télévision. Dans une interview accordée à TV Mag, il a avoué avoir une envie bien précise pour son avenir. À la télévision, je suis partant pour la sélection de candidats, la rédaction de questions, la création d'un jeu et pourquoi pas son animation. Alors, avant de le voir aux commandes d'une émission, ses apparitions télé sont nombreuses durant l'été. Il participe ce samedi 8 juillet à l'émission Les 12 coups, le combat des maîtres sur TF1, mais on le retrouvera également le 13 juillet prochain dans l'émission Confessions intimes. Enfin, il participera également à Fort Boyard sur France 2. Autant dire que l'on n'est pas prêt d'oublier l'ancien candidat, Christian Quesada.